Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Maria Couturier. Alors bonjour Éric. Bonjour Jeanne. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous sur ma chaîne ta carrière qui est assez incroyable, on va en parler. Tu es allé dans plein de directions, tu as fait plein de choses, tu repousses les limites de ton instrument. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Donc peut-être qu'on peut commencer par le début, comment t'as commencé le violoncelle? Comment t'as démarré? Qu'est-ce qui t'a fait aimer cet instrument? Aimer, c'est un bien grand mot au début, parce que ça ressemble plus à une activité que proposent les parents. Et je trouvais que je n'étais pas trop réticent, donc déjà c'est bien. Le fait de suivre les conseils, de travailler un peu tous les jours, ça c'est déjà une bonne base et même un conseil pour tout le monde, finalement. Juste de maintenir un contact, pas forcément long, mais assez concentré, pour que ça soit, que ça imprime. Donc j'étais plutôt docile avec ça. Et ça, c'était à Nantes. Et j'avais 9 ans. Un an de, je crois, chorale, où on a des souvenirs très flous, de choses collectives, des choses où il faut être un peu discipliné. Et les choses collectives, il y en a aussi au conservatoire régional, avec l'orchestre. Donc c'est toujours des moments de joie, en fait, où on rigole parce qu'on fait n'importe quoi, parce qu'on sort faire pipi, et puis en fait, on reste 3 heures avec les copains, et on revient, et la pièce est finie. Bon. C'était des moments très sympas avec mon ami d'enfance, Antoine. Voilà. Et donc, à partir de quel moment ça a commencé à devenir plus sérieux pour toi, le violoncelle, si jamais c'est devenu sérieux? C'était catastrophique au niveau du lycée, donc il fallait que ça s'embranche bien. Et là, il fallait rentrer au conservatoire de Paris, que j'avais raté une fois déjà. Et par la suite, j'ai tout fait en 2 fois. J'ai toujours raté une première fois, et ça marchait mieux après. Comme s'il y avait besoin de tâter le terrain, et avant de vraiment prendre ses marques et savoir comment travailler. Et là, j'ai pris des cours privés avec Roland Pidoux, avant de rentrer dans sa classe. 4 ans après. Et là, ça devenait sérieux, en fait. Enfin, sérieux. On découvre aussi plein de choses. On est un petit peu surpris par une nouvelle ville, des nouvelles énergies. On voit qu'on a accès à des médias. La médiathèque qui proposait des vidéos, des CD sur écoute, des partitions. C'est un peu intimidant. Mais on prend le temps petit à petit au cours du cursus. Aussi d'aller un peu au musée, de lire aussi, de découvrir la lecture seule chez soi, dans sa chambre. C'est assez décisif en fait, ces moments où on se retrouve un peu avec soi-même et on se dit qu'on a réglé des choses pour rentrer au conservatoire et en fait, c'est que le début, c'est un très très long début, puisqu'après, il faut trouver comment se projeter et là, trouver sa place et savoir comment travailler. Comment déverrouiller des choses dans sa tête, parce qu'on a une vague idée de ce que c'est de bien jouer, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Où est-ce qu'on va après le conservatoire? On n'a aucune idée. On veut juste accomplir un but, c'est déjà de préparer le cours suivant. Mais on sait que ce n'est pas que ça, donc c'est assez flou. Il y a une direction comme ça qui est extraordinaire, mais on ne comprend rien. Et d'ailleurs, ça se confirme, tout bouge après. On sort. On rencontre d'autres professeurs aussi, ça c'est très important. Les gens qui m'ont marqué sont Christian Ivaldi, par exemple, ami flammeur. C'est une autre culture. Ce sont des personnes qui sont dans l'action, disons, immédiate de ce qu'ils aiment. C'est le partage de leur passion, de l'opéra. J'ai découvert des gens qui sont fous d'opéra à cette époque, et ensuite après aussi. Et ça me fascine, en fait. Cette culture, pour moi, un peu parallèle, où on est plongé dans des mythologies, dans les livrets, dans les livres d'opéra, dans le théâtre. Ça reste encore parallèle pour moi, et j'aime bien ça. Donc là, tu avais quel âge, à peu près, quand tu étais au Conservatoire de Paris? De 18 à 22, avant de rentrer à l'Orchestre de Paris à 23 ans. Et comme j'ai eu peur du fond de chaise, c'est-à-dire un désinvestissement physique, puis musical, puis en fait mental, totalement. Je suis revenu
au conservatoire en musique de chambre, en troisième cycle, qui s'appelait troisième cycle à l'époque, avec Laurent Vachal pour travailler avec justement Christian Ivaldi en musique de chambre et gagner le plus de concours possible pour voyager. Donc on a sillonné l'Italie avec les copains. Et le conservatoire se plaçait plutôt bien dans les lauréats. Donc ça, c'était sympa d'être entre Français et de piquer l'argent des Italiens qui n'étaient pas contents du tout, surtout les Siciliens. C'était assez drôle. C'était un peu limite dangereux. Parce que on est jeune, parce qu'on est bête. Parce que voilà. Et Igor Gavritch aussi a été important pour moi. Au même titre que Roland Pidoux qui enseignait en mettant qu'une façon d'être très distinguée, très amoureuse de l'opéra, une façon de chanter très proche de l'investissement des chanteurs, c'est-à-dire à fond, mais avec élégance. Et en parallèle, Igor Gavritch enseignait un geste, une pensée poétique, mais un geste très, très ample, très large, qui dépassait toutes les limites, qui désinhibait aussi beaucoup de choses sur, par exemple, la position de l'archet, où ça vient de tel professeur qui a enseigné une autre façon. On arrive à Navarra, qui a enseigné ensuite à Roland Pidoux et mon professeur à Nantes, Henri Martinery. Et finalement, on arrive à mixer un peu toutes ces informations pour obtenir un geste qui réussit à couvrir plusieurs domaines sonores, en fait. À chaque fois, on pose la question « Quel est votre compositeur préféré ?» Et moi, j'ai toujours dit Brahms. Et je pourrais le dire encore, mais plus de la même façon. Plus on pense en Brahms de la même façon. En tout cas, à cette époque, j'explorais beaucoup, beaucoup Beethoven, Brahms, donc classique, romantique. Et puis il y a des choses symphoniques qui m'ont vraiment bouleversé. Moi, je peux dire que je pleurais littéralement en jouant certaines symphonies ou des poèmes symphoniques de Strauss ou des opéras. Quand on est dans une masse sonore vibrante et que tout le monde vibre à la même émotion grâce à des chefs qui réussissent à faire une unanimité émotionnelle comme Savalich, Solti et Giulini. Giulini aussi, c'était des moments extrêmement privilégiés, en fait, d'assister à plus une présence en rapport au ciel qu'un geste de direction. Il s'adressait à quelque chose d'universel, parce qu'ils étaient veufs à la fin de leur carrière, donc ils étaient là pour autre chose. Et nous, on recevait... c'était vraiment comme un cadeau qui dépassait le cadre d'une répétition ou d'un concert. Et souvent, les répétitions étaient plus importantes pour moi que les concerts. Enfin, ça dépend. Il y a eu des concerts marquants dans le sens où il y avait des prises de risques extrêmes, où le geste du chef était presque de l'ordre d'un art martial ou d'une danse lente, où il y a en fait une immobilité et donc un risque énorme pour le violon solo et pour nous juste de jouer ensemble. C'est-à-dire que c'était limite, mais en fait ça marchait. Donc c'est là où, à la sortie des concerts, on était complètement fous, en fait. Donc on buvait. Et surtout en tournée, il y a toujours une espèce d'effervescence. Il y a un lien social extrêmement fort dans les orchestres. C'est ça qui m'a plu. De partager des souvenirs aussi, parce que tout le monde, tous les jeunes, tous les vieux ont quelque chose à échanger, c'est formidable pour ça. Dans les orchestres classiques, il y a un rapport à l'instrument. On voit tellement d'instruments sur scène qu'on voit que chacun a un rapport décidé avec cette lutherie, cette facture, cette façon de régler. Il y a des vieilles personnes qui réglaient leur instrument d'une façon très personnelle, presque trop. Du coup, ça conditionnait un jeu, mais pourquoi pas. Je crois que chaque orchestre, chaque génération avait ces gens un peu fous, en fait. Et puis, les choix étaient
pas si large, les choix de cordes, les choix de réglage, donc les gens cherchaient une folie un peu dans leur jeu, je trouvais, même si l'orchestre était extrêmement classique. Voilà, maintenant je dirais que le choix permet autant des cordes boyaux, des mixtes ou des cordes métal plus ou moins fortes. Ça permet un épanouissement en fait. On pourrait dire que les gens sont plus sages, mais en fait non, parce qu'après ils en ont marre. Donc ils cherchent d'autres choses. Du coup, moi, c'était mon cas. Vers 30 ans, j'en ai eu marre. Donc j'ai essayé plusieurs orchestres. L'Orchestre National, ensuite l'Orchestre de Bordeaux, c'était génial. Et après, j'en avais marre de faire de l'orchestre classique. Donc. C'est pour ça que, quand il y a eu le poste à l'Ensemble Intercontemporain, je me suis vraiment demandé si c'était une bonne idée d'aller m'enfermer dans une musique que je ne connaissais pas, pour laquelle j'avais un a priori, comme tous les jeunes musiciens bêtes. Et quand même, j'ai pris ce défi vraiment comme quelque chose de personnel, dans le sens où le programme était tellement dur que ça m'a plu. Donc pareil, ça n'a pas marché tout de suite. Mais la deuxième fois, oui, et là, c'était comme aller dans une autre planète. Comment tu définirais la musique vraiment contemporaine pour ceux qui ne connaissent pas trop, ou qui, comme moi d'ailleurs, qui ne connaissent pas trop la musique contemporaine? C'est d'être confronté à la lecture, déjà, de voir qu'il y a une précision entre ce que veut le compositeur et ce qu'il écrit. Déjà, ça c'est comme en classique, mais on ne connaît pas en contemporain. Donc les classiques contemporains, j'étais donc très vite confronté à Ligeti, Boulez, Xenakis. Et il se trouvait qu'à cette époque, j'étais avec Shani Di Luca, une pianiste sri lankaise à qui je me suis marié, et on habitait dans l'appartement de Yanis Xenakis, qui était décédé 3 ans auparavant. Donc on avait un lien très fort avec Françoise, l'écrivain. Françoise Xenakis, qui nous parlait de Yanis et qui a écrit des très beaux livres sur leur vie, sur sa personnalité et donc sa musique. On a visité son atelier. Pareil, quand je suis rentré à l'Orchestre de Paris, où je suis revenu au conservatoire, quand j'ai commencé le travail avec Boulez, j'avais peur d'avoir un jeu qui devienne dur tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une appréhension de ça. Donc je suis revenu au conservatoire encore pour suivre une formation en parallèle en auditeur libre chez Patrick Moutal pour faire j'ai obtenu mon diplôme de musique indienne. Donc c'était assez opposé en fait, d'être sur un rapport complètement modal et assez organique en termes rythmiques, donc difficile. Et ça m'a plu de jouer en tailleur, de jouer avec toutes sortes d'instruments aussi. Et ça allait bien aussi avec mes explorations au Sri Lanka, qui en fait, c'est connecté au musicien Rohan de Saram, qui est sri-lankais, qui a apporté l'inspiration à Luciano Berio pour sa dernière sequenza, la sequenza 14, qui est inspirée du tambour sri-lankais. Donc c'est un mélange sonore où il y a une alternance pizz main gauche et 5. Et des pismes à gauche pour former des sortes de cycles rythmiques comme des tablas, avec ensuite des parties à l'archet qui sont très très détachées, très, très subtiles, un peu comme un récitatif entrecoupé. Et à nouveau une alternance avec la partie tabla qui est très, très sympa, vraiment. Donc c'était bien de faire le joint en fait, entre tout ça. Et musique indienne, musique. Percussive, tabla, ça m'a permis de voir le rapport, la recherche en fait entre la musique folklorique et les compositeurs contemporains. Par exemple, Boulez et les gamelans, Boulez et la musique no dans Rituel, où il y a des petits groupes instrumentaux qui sont complètement indépendants et chaque petit groupe a une percussion particulière. Donc ça donne un rapport
d'écoute différents et spatialisés aussi. Et donc oui, les spatialisations étaient une découverte à l'époque. Par exemple, quand on a fait Gheorghi Kurtag, le double concerto pour violoncelle et piano, il y avait des îlots dans la Cité de la Musique où chaque groupe intervenait d'une façon précise. Donc c'est aussi pouvoir jouer précisément alors que la battue est très très loin. Il n'y a pas d'inertie, il peut y avoir plus d'inertie quand on est plus près en fait. Parce qu'on est plus nombreux, donc on s'attend. Or, quand c'est plus loin, c'est plus vif parfois. Et la rencontre avec Kurtag était un peu décisive. Quand je parlais de Igor Gavrich, le violoncelliste russe, c'était aussi par rapport au fait d'être à vif avec ses tripes et de chercher l'expression la plus dénudée, mais plus profonde, plus forte, plus large, plus intense. Et en fait, avec Gheorghi Kurtag, avec qui on a travaillé de longues séances, pour citer un exemple concret, c'est comme si, par exemple, un crescendo s'ouvrait sur quelque chose de, non pas en intensité, mais plus large, plus lumineux, et un décrescendo se fermait sur une espèce de concentration plus forte qu'on pourrait imaginer dans un crescendo. Or, c'est l'inverse. Et son lien, par exemple, avec la musique de Schumann, c'est exactement ça. On trouve chez Schumann ces paradoxes d'intensité entre la nuance qui se ferme et l'intensité qui s'ouvre. Et ça existe dans un langage qui est moins harmonieux, mais qui est plus ciselé, plus... Oui, c'est une sorte d'orfèvrerie, Gheorghi Kurtag. On le voit dans ses quatuors, dans ses duos qui sont adaptables, en fait. Il y a des duos à l'unisson. On a eu l'occasion de faire des programmes où on alternait les cantates de Bach arrangées pour un effectif improbable à 5 et les pièces de Kurtag, donc Kurtag, Bach, Kurtag, Bach, comme Kurtag le faisait avec Martha sur le piano droit dans leur concert un peu rituel, un peu hommage. C'était... D'ailleurs, il écrit souvent des hommages à des amis, à des poètes dont personne ne connaît le nom, sauf les initiés. Il y a une espèce de lignée de choses, de reconnaissance dans les gens qui cherchent des langages extrêmes, donc qui, dans leur jeunesse, sont des pionniers, donc qui affrontent des refus, des humiliations. Ce sont des moments qui les rendent plus, pas plus durs, mais plus convaincus encore qu'il faut le faire, contre la bêtise des choses et des gens. Ça m'a permis d'explorer aussi, pas en une fois, mais en deux fois, le langage de Helmut Lahrenmann. Ouais, pour être sûr, j'hésite toujours, je vais être sûr, et après ça va. Donc il a fallu retravailler beaucoup avec lui pour jouer la pièce qui s'appelle Pression. Il n'y a pas, sauf, non, il y a un seul son normal, un point d'orgue. Le moment un peu suspendu où la note est en unisson et après en battement, puisque la note change, et avant de retrouver à nouveau les gestes uniquement bruitistes, qui sont d'une très grande poésie. Dans la musique contemporaine, je trouve qu'il y a moins de forme qu'en musique classique, où on voit très bien, même en musique pop, la forme est tellement calée sur la musique classique que c'est très simple à suivre. Et en langage contemporain, c'est vrai que c'est plus une exploration, un voyage. Donc, en fait, c'est plutôt comment la naissance d'un geste va vers un autre geste. Par exemple, j'avais travaillé avec Richard Siegel, un danseur qui avait juste appliqué le principe de « if, then ». If, nanana, then, et alors je fais ça. Et finalement, c'est hyper logique. Tellement naturel, tellement simple, avec juste la conséquence d'un autre geste et la conséquence d'un ensemble de gestes aussi peuvent donner lieu à un... Alors ça sera un autre ensemble de gestes. Et j'ai bien aimé sa construction chorégraphique qui pouvait s'appliquer à des solos, des trios, toute une troupe. On a eu l'occasion de faire ça dans différents endroits.
Et pour revenir à la Redman, je trouve que c'est le rapport poétique du geste lui-même qui voyage en lui-même. C'est-à-dire qu'il passe de son propre geste à un enchaînement vers un autre geste. C'est un peu comme une chorégraphie de gestes, finalement. On peut avoir une sonorité qui effleure, et puis avec des vitesses et des accents, des arrêts. Et ensuite un élan qui passe vers la baguette. Et ensuite il y a un rapport baguette-mèche, où l'archet bouge, où même le son de la mèche plus la baguette est produit. Ensuite il n'y a que la mèche. Ce sont des recherches qu'il a faites et des choses qu'il a découvertes tout seul. Donc il a vraiment créé un ensemble sonore magnifique, en fait, une grammaire. Et à partir de ce geste, il explore le haut de la corde, le bas de la corde, le dessous de la corde, le haut du chevalet, le bas du chevalet, le côté du chevalet, le cordier. Et aussi, comme des petites gouttes, donc le rapport en bas, il y a aussi jouer sur les chevilles. Donc finalement, ça m'a donné envie de, un moment où une Pascal Jopard, qui était une violoniste géniale, m'avait proposé d'écrire pour le concours des jeunes de violoncelle en scène. J'avais choisi la catégorie des enfants et j'avais fait musique de jeux vidéo de dinosaures, où voilà, c'est vraiment un hommage à cette suite de gestes où la personne annonce les chapitres. Ça commence par l'environnement hostile, donc c'était des choses assez brutistes, assez saccadées. On imagine un dinosaure, il ne doit pas être toujours au calme. Mais parfois, il a faim, donc il mange. Après, c'est la satiété, la sieste, le réveil brutal, la bataille, et le moment philosophique. Donc j'avais réutilisé la cheville pour trouver des sons qui soient les plus loin, où le dinosaure a un cerveau et il réfléchit en regardant des choses magnifiques. Je suis assez touché par des images de nature, des choses qu'on peut voir loin avec des couleurs. Et je pense que l'accès à ces choses, elles peuvent être réellement travaillées sur l'instrument, en fait. Juste pour permettre à tout le monde, finalement, d'accéder à ça. Ce sont des applications de métaphores, hein, mais c'est l'idée que une phrase ou un moment ou un geste, quelle que soit l'époque en fait, ça peut permettre ça. Mais moi j'ai l'impression en t'entendant parler que en fait c'était comme si le classique te retenait et que c'est dans la musique contemporaine qui est donc beaucoup plus exigeante, beaucoup plus précise, que justement ça t'a permis de toi t'épanouir, d'être plus créatif, plus libre. Donc ça paraît paradoxal en fait, parce qu'on pourrait plutôt penser que travailler avec des compositeurs qui sont si précis, avec des techniques si voilà, minutieuses, ciselées, bah tu n'as aucune marge de manœuvre, mais toi on a l'impression que pas du tout, au contraire. Non, c'est intéressant, ça interpelle, en tout cas sur ce qui retient et ce qui ne retient pas finalement. Parce qu'on peut voir que la musique est précise en musique contemporaine, et on peut se lâcher en classique, mais ça peut être l'inverse. Donc en fait, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est vrai pour tout le monde, ou plutôt vrai pour la plupart des personnes. Il y a un rapport de bonne volonté qui est important, en fait. De vouloir faire bien les choses d'une certaine façon, je crois que c'est comment on veut le faire. Tout est dans l'intention.
si on veut impacter en fait les gens, parce que c'est ça, c'est surtout de communiquer quels moyens on se donne pour ça. Donc il y a un rapport cuisine, laboratoire, et ensuite le pont acoustique, qu'est-ce que ça donne, comment ça prend, loin ou moins loin. Donc quand on joue, il faut distinguer la longueur, la portée des choses, et qu'est-ce qu'on met dans tout ça. Et finalement, je crois que c'est, pour moi, c'est pareil en fait en classique et en musique contemporaine. Pour moi, il me semble important d'abord que la musique classique soit très, très puissante en nous et de continuer de travailler la technique de base qui permet d'avoir une largeur, une base qui puisse projeter énormément de textures différentes, qu'elles soient rondes ou dures. C'est pour ça que le rapport de souplesse, c'est un peu comme des instruments de voyage, c'est-à-dire des choses qui se déplacent et il faut des suspensions pour anticiper tous les accidents, tous les virages ou toutes les forces centrifuges que prennent les mouvements. C'est pour ça qu'il faut un son et une technique qui soient vraiment de pointe. Et ça, toute la vie. C'est pour ça que rester que dans le classique, finalement, on s'ennuie. Et c'est là où le cerveau s'éteint un petit peu. Et rester dans la musique que contemporaine, ou ne faire que de la musique contemporaine, c'est un peu dangereux aussi, dans le sens où, socialement, on se sent un peu obligé d'adhérer donc, à un groupe qui, lui, adhère à son directeur musical, qui construit... Des décennies d'une certaine musique dans laquelle on est spécialiste, mais enfin, je sais pas, non, peut-être qu'il y a des gens qui sont contents de faire. Parce que ça prend du temps aussi. Donc je veux pas critiquer les personnes qui s'investissent à fond dans tel style de musique parce que c'est beau aussi ce qu'ils font. Non, mais je crois que là maintenant, je cherche des choses qui soient moins solides en termes de jeu et en termes de langage. Ça veut dire qu'évidemment, j'explore l'improvisation. Je l'insère presque radicalement au sein de pièces classiques. Il y a le projet qui s'appelle Les Sept Préludes, qu'on a construit avec des amis, Laurence et Almaz, où c'est inspiré de la grotte de Marie-Madeleine, dans le sud à Saint-Maxime. Bref, à côté d'Aix-en-Provence. Et l'idée, c'était de sortir de l'austérité des suites de Bach pour ne faire que les préludes, entre lesquels j'improvisais de façon en écho ou en introduction. Donc c'était un peu l'écho qui passait vers autre chose et puis qui a un petit point central qui réintroduisait le prélude suivant. Et à la fin du sixième prélude, ces enchaînements donnaient lieu au septième prélude. Et finalement, ça permettait un voyage, quand on explique un peu le contexte de Marie-Madeleine qui s'élevait cette fois par jour dans cette grotte. Voilà, il y a un rapport spirituel évident qui est porté par la forme du concert. Et c'est là que les choses m'intéressent, parce que si je cherche des choses moins solides, ça veut dire que je cherche à faire voyager des émotions d'un endroit à un autre, c'est-à-dire de la scène à la salle. Et ces émotions, elles ne sont pas seulement liées à un compositeur dont le style est très bien décrit, et donc à un programme. Je crois que c'est au-delà. J'oserais dire que pour moi, la transposition des choses qui vient pour moi de la musique romantique, c'est de faire parler un sentiment qui est souvent nécessaire d'exprimer parce qu'il est, il décrit une souffrance. Donc on le voit très bien dans Brahms, comme j'en parlais au début, que pour moi,
c'est vraiment le socle. C'est la naissance de tout, en fait. Brahms, Schumann, Bach, Mozart. C'est comment transcrire un regret et une résignation, quelque chose, un espoir qui n'a pas pu devenir une réalité. Ça peut être comme dans, après un rêve, ça peut être des mélodies qui parlent d'une relation qui n'existera pas, en fait, dans Tchaïkovski, dans le lac des cygnes, dans les valses. Et bien sûr, pour beaucoup de compositeurs comme Rachmaninoff ou Shostakovich, on est frappé par toutes ces mélodies sublimes qui parlent de choses qui nous viennent, nous, maintenant, en 2023. Et ça veut dire que nous, on peut faire parler des choses. On peut faire parler nos morts. On peut faire parler nos parents. On peut faire parler Brahms. On peut faire parler une autre personne. On peut transposer les choses à notre façon, de façon à ce qu'elles soient tellement portées en nous, elles fassent tellement vibrer quelque chose, que ce soit en musique romantique ou en musique contemporaine, si on est à caler sa métaphore ou sa transposition dans ce langage et dans sa façon de jouer. Si on arrive à faire ça, je crois que le public le ressent. Et c'est vraiment ça qui compte et qui est moteur pour moi. Ça veut dire qu'il faut explorer notre environnement, notre contexte, l'épaisseur des choses. Et je suis très marqué par l'écriture de mon ami Muriel Barbery, qui a réussi à atteindre son propre langage pour décrire l'épaisseur des choses, comment on voit le contexte, comment on voit le moment finalement. Finalement, c'est les espaces sont des émotions. Les formes, il y a un rapport de forme et un rapport temporel qui est différent chez chacun, mais je trouve que d'explorer cette temporalité qui est plus ou moins transparente, plus ou moins épaisse, selon le moment qu'on est en train de vivre. Si on veut faire revivre quelque chose, si on veut faire remonter une émotion, c'est possible. Donc ça veut dire que ce qu'on a à l'intérieur, on peut vraiment le visualiser et le rendre extérieur, en fait. Ça veut dire qu'on s'embarque vraiment dans d'autres choses. Donc là, je ne sais pas si... c'est très compréhensible ce que je dis, mais c'est assez... C'est très profond, en tout cas. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus concrètement des recherches que tu as faites sur ton violoncelle ? J'imagine que tu as travaillé étroitement avec certains compositeurs. Comment ça s'est passé ? Eh bien, je n'aurais jamais découvert certaines sonorités s'il n'y avait pas eu le langage écrit. Et là, on peut parler de Berlioz, de Xenakis... D'autres compositeurs comme Jérôme Convier, avec qui on a développé des systèmes percussifs qui sont extraordinaires, vraiment, et des accélérations de gestes qui donnent des impressions de vagues, comme ça, vagues d'énergie. C'est-à-dire En fait, il y a un bottleneck. Donc là, je ne l'ai pas, là, mais ça fait... Là, c'est donc le tout début de la pièce qui est en trois parties et qui finit par des choses extrêmement virtuoses et scordato aussi, donc difficile à lire. Mais l'idée de Wood and Bone, c'est de décharner pour se retrouver avec un rapport plus sec, plus squelettique de ce qui se produit au niveau sonore. Donc tout ce qui a un impact amenuisé par le bruit un peu sourd de la mèche ou du collegno, de la baguette, ou des frappes main gauche, ce qui fait qu'il y a toute une combinaison de ces matières impactantes qui est vraiment réussie. Après, on a transposé cette pièce pour deux clarinettes basses et violoncelle seule. Donc là, ça
tout ce qui est résonance grâce à une sonorité qui passe dans la tenue de clarinette, ou le slap de la clarinette qui est aussi très puissant en contrepoint. Rythmique, c'est très chouette. Et par exemple, grâce à Olivier de Rivière, on a pu d'une part se rencontrer et faire ce magnifique concert où se mélangeaient des instruments tous amplifiés d'une très belle façon, qui a permis de faire une équalisation de tous les timbres en fait. Moi j'avais adoré le son de ta viole de gambe amplifiée qui donnait une résonance spéciale à la salle Gaveau. Enfin, j'ai jamais entendu de la salle Gaveau comme ça du coup. Comment ça s'est passé, toi, cette recherche avec Olivier ? Olivier, c'est une vraie rencontre. Et son rapport plus jeune avec l'orchestre de Boston, avec leur répertoire, avec comment il considère les institutions, c'est-à-dire les vraies, les institutions musicales qui sont, qui détiennent un savoir. Et il a un point de vue très très personnel sur l'ensemble intercontemporain, sur Boulez, sur il sait très bien ce qu'il pense, il sait très bien comment l'exprimer. Et nous, musiciens de l'ensemble, il a su mettre en valeur ce patrimoine, cette connaissance, et sans aller chercher ce que je faisais sur Internet, sans savoir que j'avais travaillé avec Yann Robin. Depuis des années, Yann Robin, c'est un compositeur qui s'est démarqué assez vite à partir de l'Académie à Caen. C'était en 2003-2004 à Metz à l'époque. Il est parti dans une radicalité qui en fait se veut une sorte de souplesse finalement, mais par un langage bruitiste, mais pas comme la Renman, qui est un langage de saturation. Alors l'idée d'aller dans un endroit de la corde, donc de l'étrangler avec en mettant une surpression. Donc si on reste dans le même endroit, ça fait une sorte de son où la corde est plus ou moins souple. Si on se rapproche du chevalet, c'est plus dur. Et si on est plus près de la touche, c'est plus souple. Donc si on l'étrangle là, se dégagent des fréquences inférieures et supérieures. Donc ce rapport entre la pression et la place de l'archet est forcément très variable, avec d'immenses notions de variabilité. Donc ça peut être... ça c'est une texture, disons, souple. Et selon la longueur de la corde, si je joue, ça varie les fréquences. Si je me mets dans un endroit plus dur, on sent que le grain, c'est une granularité, voilà. Et pour aller encore plus loin, donc il y a un côté très dinosaure, j'aime bien ce mot. ce rapport de à tous les éventails possibles de cette texture qui est plus souple que la sonorité naturelle. C'est-à-dire qu'une sonorité ronde est beaucoup plus puissante qu'une sonorité saturée. Même si on pense que c'est du bruit, en fait, ça, ce qui sort, ce sont les fréquences aiguës. Donc il faut aller les chercher. Il y a une espèce d'aspiration du geste qui peut être... combiné, amené, ou qui danse un certain geste avec plusieurs sortes de gestes combinés autour, comme les frappes de la main gauche, les frappes sur le manche, permettent de développer dans la forme, pour le coup Yann Robin est très à cheval sur la forme, une pièce qui amène réellement quelque part à l'auditeur, et malgré
la longueur un tout petit peu plus grande de cette pièce, qui est un concerto pour violoncelle, qui est de 20 à 25 minutes. On ne voit pas le temps passer, d'une part, et puis, pareil, dans ce rapport aux résonances sur les tam-tam ou sur les cordes qui font des choses... Ça, dans, tout ça sur un pupitre de cordes, c'est, ça donne une espèce de... comme des plein de choses qui butinent en même temps, ou qui discutent, mais avec un langage qui, avec la distance, est la saturation et permet de mettre en relief des choses, de mettre en avant. C'est pas comme un accord harmonique. Si ça paraît fort et bruyant ou bruitiste de près, de loin, ça n'a rien à voir. Donc c'est comment il priorise les timbres, finalement. Et Olivier de Rivière m'a fait aller, finalement, en sachant ou sans vraiment le savoir, mais en le sachant quand même, dans cette même direction d'extrême intensité, où on était dans un langage, disons, vraiment tonal, avec des contraintes qui empêchaient les modulations ou même des accords romantiques, sucré, je crois que c'était vraiment pas possible, parce que le directeur artistique a vraiment été très clair sur le fait que c'est un rapport émotionnel où l'émotion dans le jeu vidéo, à mon avis, il se place complètement ailleurs. Mais la musique permet quelque chose. Et ça, moi, je ne connais pas cette finesse. Mais Olivier, dans cette équation, a trouvé une façon de mettre à l'honneur l'instrument acoustique, au contraire des instruments numériques, pour que la force des gestes puisse passer dans les micros avec un certain réglage de l'amplification ou quelque chose de très très léger parfois, de suramplifié et de très léger. Si on a... Bon, c'est pas une corde en boyau comme la viole de gambe ou le violoncelle, mais ça permet aussi de... Quand c'est suramplifié, c'était intéressant pour moi, par exemple, de ne pas respirer, de ne pas cligner des yeux, parce qu'on entendait plic quand je clignais des yeux, tellement c'était amplifié. Donc, je pouvais pas avoir de bruit comme ça. Je dois trouver ma note sans la chercher, d'où mes marques sur la touche. Je me demandais c'était quoi ces marques. Je n'osais pas te demander si c'était les marques de notes. Si, si. En fait, j'ai commencé à en faire en écrivant le nom, les lettres, les notes à l'envers, quand j'ai joué Black Angels de Crumb, où on se retrouve à faire la jeune fille à la mort, et le thème au violoncelle est là. Et on joue à l'envers, donc je... C'est pas où sont les notes. Ah bah oui. Et c'était... voilà. Là, t'as le droit alors, du coup. Oui, quand même. Oui, mais en fait... Mais en fait, c'est on n'a pas le droit. Hein. Mais je le dis aux étudiants de le faire, franchement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de... forcément de problème, parce que c'est un problème en plus. C'est pas une facilité. C'est comment on gère l'angle, selon l'éclairage. Enfin, c'est pas... C'est pas une grosse gommette, quoi. Oui. Et dans toute ta recherche de sonorité, de repousser les limites de l'instrument dans tes collaborations, est-ce que tu parlais un petit peu d'improvisation tout à l'heure? Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour toi? L'improvisation est plutôt récente dans ma vie, mais ça va bien aussi avec mon caractère. Quand je disais qu'à 30 ans, je m'ennuyais et je voulais changer... je trouve que finalement, cette petite épice harmonique, elle va bien dans n'importe quoi. Je trouve qu'on est toujours content d'avoir un petit truc différent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter, par exemple, aux étudiants avec qui je travaille pour leur donner une base technique solide, puis comment réellement être... confortable, tranquille, pour s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour eux. Et je crois qu'il faut un peu
sortir de la pression pour en trouver une autre, trouver les moyens de faire une pression, pas personnelle, mais une pression technique sur l'instrument pour que ça fonctionne en fait. C'est assez mécanique le fait de creuser une phrase, de donner vide, de mettre en lumière un vibrato spécial sur une certaine note. Je crois qu'il faut y aller. Donc finalement, c'est un peu sortir de son corps, sortir de l'enveloppe, sortir de l'idée que c'est comme ça, que ça doit être propre. Par exemple, si on part dans des choses un peu libres, bon, souvent on a une pédale, ça, c'est assez simple et c'est souvent utilisé. Donc bon, déjà on peut s'amuser avec les modes et puis pour partir sur des dissonances. Finalement, c'est une espèce de dérive de doigté qu'on arrive à anticiper en sachant que ceux-ci vont donner une sorte de dissonance, exactement comme les gens de l'époque qui ont créé des pièces pour instruments seuls. Ils cherchaient, par exemple, ils ont beaucoup cherché autour des accords diminués. Et donc on sait qu'il y a des choses qui marchent comme ça. Finalement, c'est un peu comme des riffs à la guitare où on sait qu'il y a un truc qui marche, comme des musiques manouches aussi, il y a des trucs. Et c'est pareil pour nous, finalement, quand on commence à explorer. On peut vraiment savoir quelle couleur ça va donner, et puis développer son oreille, en fait. Si on part sur des gammes par ton, c'est extrêmement difficile pour nous. Mais on arrive à aller vers ça, puis revenir. Donc finalement, c'est comme si on était dans un cercle, ou le son d'une fleur, où on va vers un pétale simple. Là, je voulais faire une gamme par ton. Et après, si je veux partir sur un autre plateau plus rythmique. Et le pigmenter. Et puis après, on peut faire beaucoup de bruit aussi, ça c'est sympa, puisque c'est aussi très intéressant de développer la technique classique avec des vraies notes très vibrées et d'aller n'importe où. Et donc d'avoir un sens de la distance. Par exemple. Finalement, d'explorer en même temps ces différents territoires entre les cordes et de voir quelles choses sont plus ou moins expressives et finalement de le constater. On y va, on constate, c'est comme un voyage en fait. En fait, ça dépend du degré d'intérêt ou d'ennui qu'on a avec soi-même. Il faut l'avoir en soi, il faut aussi sentir comment les gens ressentent les choses.
Si on sent qu'il s'ennuie de ça, eh ben on change. Donc c'est une perception double de soi et de l'extérieur, en fait, par rapport à ce qu'on est en train de faire, si c'est sympa ou pas. Si c'est beau ou pas, si ensuite on a envie d'un moment plus nostalgique, il faut aller du coup directement à fond sur ça. Et c'est vrai que je découvre aussi, par exemple chez Vincent Courtois, une approche à la création qui est réellement personnelle et immédiate. Là, nous avons un projet bientôt où je rejoins des musiciens qui travaillent à Berlin, dans la Boule et le Sal. Et il y a des partitions, des thèmes, des choses. Il y a des reprises, on revient là, il y a une improvisation sur ça. Et finalement, il y a une réelle construction, mais pas sur les mêmes repères qu'on a, nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée, et sur cette idée qui peut être inspirée de Jack London ou d'un contexte américain ou une ambiance, un film plutôt noir et blanc ou autre chose, ou Détroit, il est allé là-bas, il a composé pour ces endroits. C'est une personne qui a des multiples projets. Qui ont vraiment une racine, plusieurs racines fortes d'inspiration, et ça donne naissance à des musiques qui sont vraiment imagées, je trouve. Donc ça aussi, finalement, c'est important d'être en lien avec ses collègues contemporains. Donc finalement, le classique dans tout ça... J'étais en train de me poser la question. Je me disais, mais tu parlais de Brahms au début de cet entretien. Est-ce que c'est toujours ton compositeur préféré après avoir exploré tant de choses? Est-ce que ça te donne parfois envie de revenir à des choses plus classiques, plus simples? Brahms, c'est pour moi lié à Yo-Yo Ma, puisque les plus belles phrases de Brahms sont un peu catalysées dans sa façon de jouer à lui. Par exemple, le troisième quatuor avec piano en do majeur. La phrase de violoncelle, jouée par lui, je trouve que c'est immense, vraiment. Comment on arrive à... C'est un rapport de comment on tire le son et comment on vibre ou on ne vibre pas. Le thème, c'est... Accompagner le piano, ensuite se joint le violon et l'alto pour parler de cet amour qui sera à jamais impossible, en fait. Et l'idée de rentrer dans une phrase, de la rendre onctueuse, en fait, dès le début, c'est quelque chose de très difficile, en fait. Autant à jouer, à faire qu'à enseigner, finalement. C'est-à-dire que le transport de l'archet, donc, doit être le transport de l'émotion immédiate. Là, j'ai raté, là. Parce qu'il ne faut pas couper. Il faut juste être installé. Comme si on s'étirait. Et c'est difficile de faire ça. Donc là, je surimite Yo-Yo Ma dans le sens où je tire le son sans trop vibrer. Et en fait, il faut me contrôler son corps, ses hanches, son dos, juste pour ne pas perturber et que les changements d'archet ne soient pas marqués. Donc c'est plus du chant que du violoncelle. Donc oui, ça restera toujours extrêmement important et présent pour moi. En tout cas, c'est vrai que de discuter de musique avec toi, c'est très profond, c'est très philosophique. On sent que tu as réfléchi longtemps à plein de choses et qu'il y a beaucoup de choses qui mûrissent depuis des années chez toi. Du coup, comment tu fais en tant que prof avec des jeunes qui sont souvent impatients et pas immatures, mais disons, voilà, c'est des jeunes. Comment tu fais pour essayer de leur transmettre cette profondeur, cet amour de la musique que toi, tu vis à ton âge avec ta carrière? Moi, d'abord, je n'ai pas réfléchi. Je suis un peu débile. Même mes copains ils le disent, mais je force pas le trait, par contre j'essaie vraiment de bien m'exprimer
Et par contre, je ressens, peut-être plus que je réfléchis, et c'est là que c'est la difficulté. Une fois, Nadine Pierre, au concours du Conservatoire de Lyon, m'a posé la question, elle était dans le jury, comment, quand on voit l'exemple que tu donnes, c'est compliqué après pour les étudiants de trouver leur autonomie. Et je n'ai pas su quoi dire. Et j'ai commencé à enseigner sans instrument, juste pour apprendre à parler. Et ça vient petit à petit. En tout cas, c'est un poste. J'aime bien dire poste. Ça fait ton un peu, poste au Conservatoire de Lyon, tu veux dire? Oui. Oui, actuellement, je suis professeur intérim à Lyon et je suis assistant à Paris, assistant de Raphaël Pidoux. Et le poste, il a un côté très vigile. Et on est un peu là pour... on est censé voir plus loin et les aider. Et non seulement c'est le cas, mais on doit aussi être vigile en bas, là où ils sont eux. Je trouve ça assez intéressant dans le fait de ressentir leurs limites et aussi leurs espoirs. Et c'est, je trouve ça fascinant, leur envie. C'est vraiment pur. Et du coup, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils y arrivent. Donc je mets beaucoup d'énergie à essayer de coller au plus près à ce qu'ils ont besoin. Donc il y a évidemment toujours un côté un peu militaire, un peu chiant de la base technique qu'il faut faire et refaire. Donc on ne le dit jamais assez. Ça, c'est vraiment la contrainte. Tant qu'elle n'est pas ritualisée, on sent qu'ils ne feront pas de progrès. Et dessus ça, c'est la confiance. Par rapport aux autres, par rapport à l'uniformisation du jeu. Et on ne peut pas y échapper, en fait. Ça, c'est important aussi de pouvoir jouer de manière complètement attendue. C'est-à-dire de jouer juste avec un phrasé qui correspond au style. Dans des contextes de concert, d'examen, de concours d'orchestre. Et je trouve que c'est une façon de démontrer qu'on peut s'adapter à tout, et aussi aux exigences de la société. Et sur ça, voilà, après aller plus loin, en termes de leur personnalité, comment elles se placent par rapport à telle difficulté, telle zone de l'instrument. Parce qu'il y a des problèmes physiques qui sont aussi liés à des choses dont ils n'ont pas conscience physiquement. Donc comme tout est lié, l'émotion, leur parcours, leurs difficultés, leur fainéantise parfois, et même leur motivation, c'est aussi normal après tout ce qu'on a traversé. Il faut être là, à divers endroits en même temps. Donc finalement, on dit qu'on apprend beaucoup avec les élèves, mais je ne sais pas de quoi ça parlait en fait cette phrase avant. Ah oui, on apprend beaucoup à mieux jouer, parce qu'on enseigne ce qu'on joue, mais là pour moi ça ne se situe pas au niveau des morceaux. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps de bosser ce qui bosse. Ça va tellement vite. Donc il faudrait que je prenne le temps par contre. Mais c'est à un autre niveau, ouais. Donc c'est vrai qu'avec tout ce que tu fais, l'ensemble, les cours, les projets variés, donc tu n'as pas beaucoup de temps, j'imagine, pour toi. Comment est-ce que tu fais du coup pour t'entretenir, pour ritualiser toi-même ta technique et garder ton niveau? Je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Tout comme je fais mes 20 pompes par jour depuis l'âge de 15 ans, parce que je trouvais que j'étais trop mince. C'est aussi une question... d'entretien physique, la main gauche, la main droite, de faire toujours, toujours les mêmes exercices. Et ça, j'avoue que j'ai un peu craqué. Il y a 3-4 ans, j'ai un peu arrêté. Disons, de 18 ans jusqu'à 48 ans, j'ai vraiment bossé de façon obsessionnelle les gammes et tout ce qui est difficile dans les concertos. De manière à ce qu'aujourd'hui, je puisse montrer aux étudiants les choses les plus dures sans avoir à les travailler. Donc c'est un peu joué sur la facilité et sur l'esbrouf aussi. Mais disons que quand même, il y a une base qui a été faite. Et je pense qu'il faut encore aujourd'hui la prolonger.
Et quand on n'a pas le temps, finalement, il faut être sain dans son approche, dans son approche du rapport technique musical. Et c'est ce que je fais à chaque fois que je travaille avec mon trio, le trio Talweg, qui est une formation violon, violoncelle, piano, et qui développe un répertoire un peu contemporain, parce qu'on a passé des commandes à Thomas Gubitsch, notamment le guitariste argentin, qui nous a écrit trois moments, qui sont vraiment exceptionnels de musique, de rythme, d'écriture. C'est harmonique, il y a de la fugue, il y a du rythme, il y a du tango, c'est vraiment génial. Ça, c'était dans l'album en lien avec Ravel et Turina. Et donc, mon trio Talweg, avec Sébastien Surel et Romain Descharmes, c'est un endroit où il y a une exigence due au répertoire qui est très, très haute en termes d'expression, puisque c'est principalement un répertoire romantique et classique. Et finalement, l'échange des idées et des décisions prises, c'est le résultat de cet échange, c'est surtout le résultat de la qualité du rapport entre nous, du temps passé, où finalement on est dans la somme de la qualité de ces échanges, finalement au fur et à mesure. C'est un peu comme le quatuor à cordes qui répète beaucoup. C'est pas forcément le but, c'est vraiment la qualité de la répétition. Et ce qui m'a marqué notamment, c'est quand on a travaillé pour le concert qu'on a donné le 24 octobre dernier au Bouffe du Nord. Ça, c'était pour moi un des concerts les plus importants, parce qu'on a joué les trois trios de Schumann intégrales, et on a commencé à répéter en mars. Donc, ça veut dire des mois pour assimiler le langage de Schumann, qui, a priori, est réellement incompréhensible au début. Donc, finalement, on n'a jamais fini d'aller plus loin dans l'intériorité, dans l'intériorisation de ses doutes dans son écriture et de ses moments d'extase. Donc il fallait bien ce temps-là et c'était même un peu limite. Et tout ça, ça donnait une qualité d'entente sur scène qui était due à la qualité des échanges dans les répétitions. Ça veut dire que comment on discute des choses pour lesquels on n'est pas d'accord. C'est surtout ça. Quelle est l'intention ? L'intention, on la connaît, c'est juste de travailler ensemble. Donc finalement, c'est un peu comme dans un couple. C'est surtout quelle est l'intention, en fait, qu'on veut mettre dans une discussion. Est-ce que c'est pour ennuyer l'autre ? Ou juste que c'est un moment comme un autre ? Qu'on passe avec un compagnon sur un sujet tendu ou moins tendu ou juste organisationnel. C'est cette qualité d'intention qui je trouve, qui était facile à transposer pour moi en trio. Et ça s'est bien passé, heureusement. Et ça continue à fond. Et l'autre question que je voulais te poser, Eric Maria, c'était par rapport à ton matériel. Parce que, bon, moi, je t'ai vu jouer en concert. Et, bon, déjà, tu avais deux archets sur scène, en plus du tien, je crois. Et au bout de 10 minutes de concert, tu as déjà changé d'archet parce qu'il n'y avait plus de crin. Parce que, donc, voilà, il faut savoir quand même comment tu joues. C'est très intense. Donc, comment tu fais au niveau du choix de ton matériel, même les cordes, les archets comment tu gères ça avec ton jeu qui va quand même dans des extrêmes impressionnants? D'une part, je n'ai pas vraiment de violoncelle dédiée à tel répertoire ou un autre. Tout va. Donc là, actuellement, c'est une école de testeurs. J'ai aussi un autre violoncelle de Franck Ravatin, qui actuellement je prête à un étudiant. Et en ce qui concerne les archets, j'en ai plusieurs. Et je suis absolument fan de l'archetterie qui me correspond. Je ne suis pas en béatitude devant les archets anciens pour ce qu'ils sont. J'ai besoin qu'ils aient vraiment, qu'ils soient vraiment le prolongement de mon bras. Dans le sens où
le travail avec Claudia Carmona, qui est une archetière qui habite à Angers, avec son mari qui est aussi un archetier, qui s'appelle Jean Grimberger. Voilà, ce sont des deux artistes, artisans, avec qui j'ai énormément collaboré pour des recherches visant des paramètres importants pour moi, notamment la présence du son, comme j'ai dit tout à l'heure, pour creuser le son. Donc cette équation hauteur de talon, hauteur de tête et le cambre, où est-ce qu'il se place, et la densité. Ça, ce sont des calculs extrêmement précis, en fait, qu'ils font et qu'ils gèrent et qu'ils appliquent, en fait. Et ça donne, selon ce qu'on désire, des choses extrêmement différentes. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur 4-5 modèles avec eux qui ont des profils de Formule 1. Vraiment, réellement, c'est des voitures de compétition. Wow. Et la qualité de la mèche aussi. Là, je suis dans l'expérimentation totale avec une mèche en synthétique. Ah oui ? Ce qui permet d'avoir une... de comprendre que le synthétique, c'est pas du crin. Donc c'est complètement lisse, donc ça accroche beaucoup moins la colophane. Donc il faut tartiner. Mais qu'après, on perd en accroche devant une certaine puissance. Mais ça, dans la nuance plus fine, accroche à tous les endroits de la corde. C'est étonnant. C'est un peu comme... J'ai l'impression d'avoir un rapport un peu plus baroque dans ce côté immédiat. Et que le timbre est différent. Il y a un son de mèche qui est plus présent, plus aigu. Il y a des fréquences qui interviennent autrement. Donc c'est étonnant. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Eric Maria, d'être venu sur ma chaîne pour partager tout ça, toute ta carrière, avec tous ceux qui vont nous regarder, parce que c'était vraiment très intéressant et puis c'était vraiment génial de pouvoir échanger avec toi. Donc, un grand merci. Et puis, quant à vous, si vous avez des questions ou si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à poster tout ça en commentaire, parce que Eric Maria ou moi serons ravis de vous répondre. Du coup, je vous dis à tous, à très bientôt. Très bientôt. T'as aucune marge de manœuvre, mais toi, on a l'impression que pas du tout, au contraire. Je viens de dire une connerie ou... Non, Ok, pas du tout. Pardon. Je sais pas ce que je dis des choses.